Alors là, on a une partie classée sur Nuclear Winter. Je suis en train de jouer avec le deck motorisé Eurocorp. Donc un deck rapide et assez violent. Même très violent, globalement. On essaie de gagner en à peine 10 minutes. Ou en tout cas, prendre une position tellement avantageuse que l'ennemi ne peut plus revenir. En 10 minutes, on n'a pas le temps de niaiser. De toute façon, il n'y a pas... pas beaucoup de bon temps, quoi. Pas... alors j'ai un peu d'artillerie mais pas trop. Globalement j'ai pas de quoi tenir un combat qui s'éterniserait trop, à part dans une ville ou une forêt. Ce qui fait que cette carte est plutôt bonne parce que du coup bah, vous avez la grande ville de l'état avec un peu de forêt. Et également Alpha, donc ville-forêt à nouveau. Assez facile à tenir. India Foxtrot moyen, par contre on peut quand même faire des petites attaques rapides pour forcer le multifront. Mais ouais, faut essayer de gagner assez vite, donc c'est pour ça que j'envoie directement la dose d'hélicoptère. Donc tir à chapper, pêche de tiger, panthère avec commando para x2. Donc il y en a un qui va sur alpha pour sécuriser alpha, et un encore plus offensif ici, très agressif. Le but c'est du coup de faire un push alpha sur foxtrot. On va rester debout. On va juste envoyer deux légions. Allez, une MX-10 et le AVDA. Là, non, là, je crois que j'ai tout. Les MX-10, elles vont passer ici avec le Crotal. Et les légions 90 vont se mettre ici. Ou non, plutôt là. On va y aller. J'espère qu'il n'y a pas démarré avec un avion, parce que s'il démarre, enfin, ça c'est vraiment le problème avec cette ouverture que je fais, c'est que s'il démarre avec un avion, ça peut très très mal se passer pour moi. On va espérer qu'il ne démarre pas avec un avion, justement. Mais là, je crois que c'est pas possible, parce que normalement, si tu joues avec un avion, il est déjà en l'air là. Il devrait déjà être en train de tourner et de péter mes hélicoptères. Donc, rien. Ah! Il y a un hélicoptère d'attaque, c'est un peu étrange ça. Ah ok, ouais, il y a un ninja, on va esquiver. Ah non, non, merde, ah putain, j'ai mis ma croix. Je crois que j'ai quand même détruit le ninja. Ouais, bon, il va peut-être me péter aussi mon avion, ça c'est vraiment pas cool. J'ai essayé de le sauver en attaquant assez vite avec mon chasseur. Ouais, c'est bon. Et peut-être même que je vais obtenir le kill. Ouais, yes. Très très bon. Le plus important, c'est surtout que les deux panthères, ils arrivent à se placer avec leur infanterie. Ce qu'ils arrivent à faire. Ok, donc ça va beaucoup gêner ses ravitaillements. Enfin, ravitaillement. Son arrivée de troupes plutôt. Ok, oh, il y a 12 infanteries là. C'est beaucoup d'infanterie, j'espère que ça va pas me poser problème parce que peut-être qu'il pourra attaquer, hein. C'est pas impossible, ça me. Bon, ça me semblerait pas si délirant que ça. Ok, non, on va y aller infanterie là parce que il envoie un max d'infanterie. Si je fais attention à ce qu'il déborde pas sur Delta. Que le panthère caché. Là, ok, non. Ouh, chouette, tire. Ah, oh putain, j'ai fait de la merde. Bon, on va le faire descendre. Comme ça, au moins, il est caché. Et avec un peu de chance, il va faire la grosse erreur de laisser passer le Tansam Short Arrow dans la portée des attaques de mes commandes marines. Et voilà, le kill.
Bon, c'était chaotique. Après, on s'y attend. Hein. C'est les parties avec ce deck sont toujours très très chaotiques. Mais je crois que du chaos, on est sorti vainqueur. C'est comme ça que je le dirais. C'est chaos, mais au final, je suis bien placé. J'ai un combo para ici. J'ai pété beaucoup de troupes. Qui fait très mal. Oula, ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, faut faire attention à ce qu'il ne déborde pas justement sur sur Delta. On tire pas sur les transports quand même. Je pense qu'on va pouvoir commencer à s'y viable. Là on peut tirer. Non, il me fout des légions là. Ça m'inquiète un peu parce qu'il y avait un match ninja là. Faut que je fasse attention avec mon Tiger parce que le ninja est vraiment très très bon pour contrer le Tiger. Et je ne le vois plus, donc ça m'inquiète un peu le fait que je ne vois plus cette unité. Donc, on va tout split pour infiltrer le plus possible. Non, faut essayer de mettre mon PC dans des endroits assez improbables parce que sinon il va. Il risque de CV snipe. Faut oublier qu'il joue quand même le. Il joue très probablement le Can of Thunder. Or le Can of Thunder est réputé pour être très puissant. On va faire attention avec ça. Okay, c'est ce que je me disais, il y avait beaucoup d'infanterie. Il y a le Belge Tiger là-bas. On va faire une ligne défensive sur la forêt. Ça joue bien pour les lignes de vision, du coup je perds la ligne de vision. Missile en position de tir, mon colonel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on transporte? Il a envoyé un pisse faisant deux jupes pour me péter ça et c'est excessif. Putain, d'où il a pas rechargé mon ami? Ah ok, c'est parce que j'ai infiltré du coup, et ouais, je comprends. C'est un peu une sorte de panic buy.
sinon il n'y a pas envoyé grand chose ici, donc je vais. On va faire évacuer le. Panthère et le Tiger. Maintenant. Oula, oula, attends, j'ai vu. Je sais pas, est-ce qu'il le cache? Est-ce qu'il le cache pas? Ouais, du coup ce que je voulais dire c'est que je vais envoyer des Fashion Rider 90, je vais réparer cette infanterie. Le but c'est d'attaquer Delta par le haut parce que du coup je n'ai pas besoin de passer dans cette grande zone ouverte hein, qui est un véritable piège. Hein. On en revient toujours au fantassin et son fusil. Missile anti-char, pareil. Ah. J'ai définitivement besoin de camions de ravitaillement pour le Crotal, pour les commandos marines qui sont très très épuisés de leur combat. C'est pareil, vous s'il vous plaît. Ah, c'est parce qu'ils sont dans le même bâtiment. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ouais, cette carte, c'est une carte, c'est une des meilleures cartes pour jouer pour jouer le deck, ce deck là justement, les decks moto, parce que vous avez tellement de possibilités, ne serait-ce que dans votre ouverture, à quasiment gagner la partie, donc c'est vraiment très très oh, putain, mais c'est tellement d'infanterie qu'il y a. Là je me suis caché, c'est pour ça que je garde souvent des unités, une infanterie même à 1 PV dans une ville, c'est très 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 dangereux. Faut vraiment faire toujours attention à ce que vraiment vous avez détruit l'infanterie à 100%, c'est pas, vous pouvez pas, même quand elle a 1 PV ça peut, vous avez toujours le canon anti-char, enfin le... Vous avez toujours l'unité 1. Hein. L'attaque anti-tank qui peut faire très mal. Je sais pas si c'était très intelligent de sa part, parce que du coup là il passe dans l'ouverture, je pense qu'il aurait mieux fait de les laisser au sol. Quitte à ce qu'il meure d'ailleurs, au pire. Okay, on va essayer de voir s'il n'y a pas une... Non, ok, il n'y a plus rien. Je pense que là c'est qu'il va mourir. Non, faut pousser dans les orties.
Ils ont survécu quand même très très longtemps, c'est comme nos marines, ils ont fait leur job. Qui était de faire gagner du temps surtout. De bloquer les renforts, pas tant que ça de tuer ou... Mais bon, ils ont aussi tué beaucoup d'unités, donc c'est très bien. Ouais, je crois que du coup, l'Alpha Push qui marche, on va dire 90% du temps, a une nouvelle fois fait ses preuves, donc normalement ça devrait aller après pour la suite, parce que j'ai une position. Je vais prendre ce dernier bâtiment, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Après, c'est une surprise, mais ça m'étonnerait fortement. Et ouais, globalement, je n'ai qu'à attendre, parce qu'il y a... Il est obligé d'attaquer. Il a même pas attaqué India. Alors après India, je vois que j'ai un peu peur. Hein. C'est pas trop grave parce que de toute façon j'ai 5 points ici et ici vous n'avez que. Enfin du côté de la rivière vous n'avez que 4 points donc je gagne on va dire. Si on attend tous les deux. Cet endroit est vide. On va pouvoir relocaliser les Fashionmakers. Et mettre un ATGM pour complètement lockdown la zone. Et ça devrait être bon. Ok, enfin une attaque. Putain, son tank il est pas très résistant parce qu'il s'est mangé. Il y avait des dégâts de la part du Milan F3. En fait, j'avais même pas besoin du Peace Rain du coup. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense que ça doit être un K1. C'est important la fumée quand on joue motorisé aussi parce que ça vous permet de forcer les combats de manière à ce qu'il n'y ait que les deux blocs d'infanterie des deux joueurs qui se battent. Et comme un joueur mécanisé, enfin blindé, oui celui qui joue on va dire normal avec beaucoup des blindés, il n'a pas l'avantage au niveau de l'infanterie, ça va
normalement faire gagner le joueur moto. Oula, 7 shots possible. Oula, des deux côtés en plus. J'ai oublié mes unités là. Ah oui, le side shot qui arrive à point. Tranquille. Un peu plus de résistance, j'ai plus trop besoin de Rocco, j'en ai quand même vachement déjà de reconnaissance là. Ouais, ouais, du coup je pense que c'est fini. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils reviennent. Ah, comment dire, c'est possible, mais parce qu'après quand même les decks motorisés, c'est des decks qui vous laissent revenir dans le sens où vous perdez tellement pour avoir les avantages du deck motorisé que du coup vous n'avez pas beaucoup de choses qui empêchent votre adversaire de comeback souvent. Vous n'avez pas des choses qui on va dire restent dans la durée. Putain, c'est con qu'il ait évoque parce que je pense qu'il gagnait le combat. Il gagnait le combat s'il évoque pas. Explosif chargé, prêt à faire feu.
maîtrise.